Bonjour à toutes et tous, c'est Vincent. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo sur Division 2 pour une présentation de stuff modulé. Parce que j'avais une première vidéo que j'avais fait, mais j'avais pas les bonnes pièces. Agent, j'ai ce que vous voulez. Eh ben ça vient, je commence à tous les avoir. De vos Et ordres, ce stuff-là, voulez-vous dire pareil, quelque chose? donc je vais le notifier en tête de titre de la vidéo, vient de Néoprod alias Lionel. Et j'ai enfin toutes les pièces. Donc comme ça, il le joue comme ça. Alors, on va se baser sur le Ninja Bay, bien sûr, qui vous donne deux éléments. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais de base, il me semble que sur une de mes vidéos, je devais pas avoir ça. J'avais mis un. Ouais. J'avais mis un Bellstone, ouais, en poussé en 1% de régène. Mais là, voilà, j'ai trouvé la bonne pièce. Du coup, maintenant, je vais pouvoir jouer avec la version de Lionel. Hop. Alors, on va regarder 2 secondes, parce que je vais regarder si je peux optimiser le tueur de roi. Hein, parce que je sais pas pour vous, dites-moi quoi en commentaire, mais j'ai l'impression que le tueur de roi, y a plus en plus de recul. Et j'ai du mal à le tenir bien droit, en fait. Et c'est un peu chiant, quoi. Alors, le tueur de roi, il est là. Est-ce que je peux l'optimiser une fois? Oui, bon, on va le faire. Voilà, c'est vrai que bon, il pique bien, en plus, avec le ligne Heureuse de vous plate. voir. Il vous faut quoi? Allez, on y tourne. Donc on le joue en technicien pour dès avoir un tir de compétence. Le Ninja Bike. Le Ninja Bike, c'est le sac exotique, débrouillardise, utiliser tout objet d'ensemble d'équipement et ou de marque équipée pour remplir une condition de déverrouillage de bonus d'ensemble. Peut déverrouiller les bonus de plusieurs ensembles simultanément. Ce qui veut dire en gros, c'est que si vous mettez un cogneur, vous avez deux éléments, du coup, vous avez deux éléments, vous en mettez un, donc il vous en compte un, ça fait le maniement. Alors. Non, qu'est-ce que je dis comme connerie, moi? Non, non, vous mettez un cogneur, vous en compte deux. Voilà, pardon, désolé. Donc, du coup, ça c'est bon. Je joue avec le Fenris. Bon, bien sûr, sur la première vidéo, c'est pareil. C'est exactement le même stuff, sauf que j'avais pas la bonne pièce. Là, maintenant, il est fou, il est prêt. Voilà, donc on va le tester comme ça. Fenris avec Observateur. Donc, ça, vous connaissez tous. Hein, augmente les totaux de dégâts d'armes et de dégâts de compétences de 15% contre les ennemis touchés par impulsion. Je joue au Fenris. Lionel, lui, il le joue avec le petit drone. Donc, on va le jouer avec le drone frappeur. Hop. Voilà. On va mettre dégâts, voilà, ça c'est bon. Moi j'ai pris le piège pour dire de soins, pour dire voilà, de faire monter l'expertise, toujours pareil. Et donc la nouveauté, c'est que maintenant, en Brazos du Arcabuce, j'en ai mis deux, parce que Lionel le joue comme ça aussi, avec le Auster Picaro qui vous donne du dégât d'armes. Et j'ai mis le masque que j'avais pas la fois dernière sur une de mes vidéos, maintenant je l'ai. Voilà, en full rouge, qui vous donne 20% de taille du chargeur. Voilà, Lionel le joue comme ça. Moi, je vais le tester. Je vais voir ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Honnêtement, sur ma première vidéo, je me suis régalé. Voilà. Donc, je pense qu'à mon avis, là, la seule chose qui change, c'est que avant, j'avais 1% de régène. Là, je ne l'ai plus. Vous savez que je suis un accro du pourcent de régène. Là, j'ai plus du tout de régène. Voilà. J'ai plus du tout de régène. J'ai juste 20% du chargeur en plus. Donc, au lieu d'avoir 50 balles en tueur de moi. J'en ai 60. Lionel, il le joue comme ça. Si vous avez des idées de stuff avec le Ninja Bike, faites-les moi parvenir en commentaire. Et j'hésiterai pas à le tester et faire une vidéo pour vous montrer comment vous avez fabriqué ce stuff. Et je le représenterai pour vous en vidéo derrière. On arrive sur le cap des 200 abonnés, mes amis. Alors là, moi qui croyais pas une seule seconde, et ben, je suis content. Et j'espère que ça va s'accentuer. Et puis, comme je vous ai dit, ma chaîne va progresser. Et honnêtement, j'ai hâte, ça va me pousser. Alors, certes, voilà, je ne suis pas non plus un futur YouTuber. Hein, non, non, hein, hors de question. Moi, c'est pour le plaisir et puis de pouvoir donner un coup de main si des personnes en ont besoin. Voilà, je suis là pour ça. Alors, en arme, je joue avec le tueur de roi, hein, logique, parce que vous donnez. Regardez bien par rapport au sac observateur, augmente les totaux de dégâts d'armes et de compétences contre les ennemis touchés par l'impulsion. Je joue au tueur de roi, pourquoi? Parce que ligne parfaitement plate, dégâts accrus contre 20%, de 20% contre les ennemis touchés par l'impulsion. Voilà, et là vous mettez le petit pointeur laser lié. Moi je ne l'avais pas testé une fois, je l'avais testé une fois différemment. Pareil en fait, c'était pour dire de changer et voir si on pouvait le jouer différemment.
Et j'avais joué avec la spécialité tireur d'élite pour Dédara, le grand drone. Ce qui fait que le grand drone me scannait tout le monde. Donc ils étaient forcément scannés, les mobs. Mais voilà, j'aurais perdu un tiers de compétences. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, hop, on va laisser comme ça. Au moins, le stop de Lionel, c'est comme ça. Moi, je vais jouer comme ça. Je pense que Lionel, lui, il n'y a pas un mode de protection pour lui, bien sûr, il doit avoir un dégât de coup critique. Mais on va dire qu'il est à 99% identique. À part lui, je ne sais pas s'il doit à la ruche, Réa, ou je ne sais pas. Voilà, moi, j'ai pris ça pour faire monter l'expertise. Bien sûr, le technicien vous donne un tiers de compétences en plus. Allez, bah écoutez, on va tester ça. Moi, j'ai pris le tsunami. Pourquoi? Parce que, bah voilà, toujours pareil, pour faire monter l'expertise, j'aurais pu très bien prendre la notre pompe. Hein. Notre pompe, à part le scorpion, parce que tout le monde le joue avec. Qu'est-ce que j'ai Ouais, bon, la CS12, je joue tout le temps, donc voilà. Le Quélèbre, bon, le Quélèbre. Ouais, bon, oui et non. Celui-ci, ouais, je l'avais pris, voilà, pareil. Bon, là, il est en maître. Je l'avais testé, hein, il était pas mal aussi. Après, bon, ben, sur le synchro, j'en ai pas besoin. Donc voilà, j'ai laissé ça parce que le martèlement parfait, c'est vrai qu'il. Moi, j'adore. Perso, j'adore. Allez, on y va. On va aller tester ça là-bas. On va se prendre un point de contrôle au pif. Allez, hop. On va pas faire de convoi de ressources. On va faire ça. Hop. On va aller dans Downtown West, Est. Non, Fédéral Triangle. Voilà, on va aller faire le point de contrôle là. Normalement, quand je vais me retourner, il va peut-être avoir un boss ici. On va bien voir. Hein. Voilà, donc vous voyez, on a 61 balles. On va bien voir s'il y a un boss. Normalement, il y en a toujours un ici. Bon, ah bah si. Voilà, vous voyez. Hop, il y en a un. On les a scannés. Vous voyez, hein, 60 balles, ça fait la différence tout de suite. Hein. Si on peut essayer d'aller tirer sa besace. Il va prendre la greu. Ah, le con. On va sortir le tsunami et on va le finir. Voilà. Hop. Bon, ça a l'air de bien marcher, hein, en sachant que bon bah j'ai pas de pourcent de régène, c'est pour ça que j'ai mis un petit mode de protection pour élimination. En sachant que le drone il a pas beaucoup de vie. Oh, 743 000 quand même. Hein. Décor, il est pas optimisé à fond. Hein. Hop. Donc, ce qu'on va faire, diffusion ennemie je vais vous montrer encore une petite astuce si ça va marcher. Parce que ici, on est face au minigun. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Je vais juste regarder s'il n'y a pas de patrouille autour. Ouais, ça va aller parti loin. Vous venez ici. Voilà. Regardez, il y a le petit carré rouge. Vous pouvez point de déclencher contrôle ici. Ennemie à proximité. Hop. Comme ça, ils vous entendront renfort pas. en approche. Les renforts vont arriver normalement en face. Voilà. Regardez, on peut se TP là, à la rigueur. À mon avis, ils vont être au combat. On va faire le convoi. Bah, c'est parfait. Il y a un convoi qui passe, on va le faire.
Comme ça, on va éviter le minigun, parce qu'honnêtement, minigun, en sachant que j'ai pas de pourcent de régène, ça va piquer, quoi. Allez, on va peut-être déclencher le convoi. Voilà, comme ça, ils vont rester avec moi. Hostile détecté. Démolis ce truc. C'est bon là, vous croyez ? Un membre du clan demande du backup. Ah, un membre du clan demande du backup, mais le problème c'est que je pourrais pas y aller. Hop, on peut faire péter le drone. On va attendre un petit peu. Il va bien avoir un rusher qui va arriver. Ça, on peut le jeter. C'est une tuerie ce tueur de roi. Il y a une cadence de fou. Voilà, hop, convoi il est fait. On peut récupérer ça. Ne pas trop traîner ici parce que sinon on va perdre le petit pistolet vert. Hop, voilà, comme ça au moins ils vont venir avec moi. Allez madame, on y va. Voilà, attaque le point de contrôle madame. Allez, hop, on y va avec eux. Voilà, hop, ils ont déclenché. Bon, là, ça, c'est des élites, hein, donc il faut absolument faire gaffe. C'est pas grave, on va laisser mettre sa tourelle. On va mettre un IEM pour la tourelle. Hop. Voilà, la tourelle, elle a fait, elle a fait tarif. Hein. Allez, hop. Médecin. Merde, on peut les contourner. Ah, vous mettez ici, vous mettez votre ruche. Allez, le piège soin qui soigne bien. Vous avez trois tiers de compétences. Voilà, hop. Faut jouer un petit peu avec, voilà. On peut aller là-bas.
Oh. Vas-y, viens. Tire-toi. Allez, on va le rusher, on lui met un coup de pompe. Hop, c'est fait. Donc là, on va attendre un petit peu, on va les laisser venir. J'attends que mes compétences se rechargent, on va pas les rusher tout de suite. Vous voyez comment elle est pas stable hein. C'est vrai qu'elle fait mal. Hein. Laissez-le sauter. On peut attendre un petit peu. Il y a un mob rouge qui me donne un coup de main. On va récupérer un peu de munitions. Hop. On va faire attention parce que le spawn kill va être là. Ça va ressortir ici. Il faut contre-blaster. Hop. Le bras, ouvre le feu. On va jouer tranquille. Hein. Hop. Faites gaffe sur le flanc. Grenade lancée. C'est quand il veut. Ah merde. C'est ici. Allez, on va aller faire le violet là-bas. Le boss s'en occupera après. Assistance médicale immédiate nécessaire. On va attendre un petit peu. Ah, faut que je m'acclimate, hein. Allez, regardez le boss. Regardez le boss où il est passé. Regardez où il est passé. Il est parti chercher le minigun. Regardez, regardez. Donc là, on va attendre sagement que les alliés arrivent. Comme ça, ils vont tirer derrière. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de malade. Ils sont omnibulés par ça. Voilà, hop, t'es parti. On peut reprendre un peu de protection. Laisse-le mettre une grenade, c'est rien. Voilà, les alliés sont là. Hop. Il va aller se mettre en haut, c'est parfait. Oh,
prochaine, je te la tire dans les... Ouais, je pense qu'en deux cartouches, ça devrait aller. Voilà, et on a les rugs. Voilà, ils ont été statiques. On les a battus. On les laissera jamais nous battre. Voilà. Bon. On verra bien. Là, ça va être chaud. Je vous promets rien. On va le rusher lui. Tourelle d'assaut ennemi. Il a pris cher. Hein. Hop, on déclenche le martèlement. Hop. Wow. Ah bah ils ont pris cher hein. Alors galvanisation parfaite, c'est parfait, voilà, magnifique. Hop. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire, mais ils ont pris cher hein. Oh, ils ont pris cher les pauvres. Ah mais le tsunami là. Quand le martèlement parfait se met en route, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Voilà les amis. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis preneur. Et je vous dis un grand merci. Et passez un très bon week-end à lundi. Allez. Ciao ciao la famille. Bisous. La bise. Bon week-end à tous. Ciao ciao.